Bonjour, c'est Pierre Maumont. Comme vous le savez, nous sommes depuis quelques mois dans une période de taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire que les taux d'intérêt fixés par la Banque centrale, comme ceux fixés par les marchés, sont négatifs. Bon, les taux négatifs sont quelque chose qui surprend, qu'on a beaucoup de mal à concevoir sur le plan conceptuel, et il y a des raisons excellentes à cette surprise, à cette interrogation. Leur principal défaut est qu'ils mènent à l'effondrement de l'économie. Donc dans cette vidéo, je partage avec vous l'analyse que je fais des processus qui mènent des taux négatifs à l'effondrement de l'économie. La survenance de taux négatifs dans l'économie, et ce n'est pas seulement dans l'économie française, c'est dans les économies européennes, voire aussi d'autres économies au niveau mondial. Nous sommes face à un phénomène qui s'étend de plus en plus, de manière de plus en plus large dans l'économie mondiale, et quelque chose qui est unique dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu avant, et c'est aussi quelque chose qui génère à l'observateur, c'est-à-dire à vous, à moi, à monsieur et madame tout le monde, aux professionnels de l'économie aussi, un sentiment de malaise parce qu'on ne comprend pas ce que ça signifie du point de vue philosophique. Quelle est la signification d'un taux négatif, alors qu'on comprend intuitivement quelle est la signification d'un taux positif, et parce que on sent que ça ne peut pas aller comme ça ressenti. J'analyse le sujet de manière plus approfondie dans la lettre que je fais cette semaine sur le thème justement de cette vidéo, c'est-à-dire sur le thème du parcours qui mène des taux d'intérêt négatifs à l'effondrement de l'économie. Je réfléchis de manière un petit peu plus poussée que je viens de le faire ici à cette question de l'anomalie fondamentale de ce que sont les taux d'intérêt négatifs. Cela dit, je dis quand même quelques mots dans la vidéo, de façon à ce que si vous tombez par hasard sur cette vidéo, un petit peu en surfant sur le net, que vous saisissiez quelle est l'aspect fondamental du sujet qui est posé dans cette vidéo. Pour comprendre quelle est cette absurdité, il faut poser la question à rebours, et cette question c'est: pourquoi a-t-on l'habitude d'avoir des taux d'intérêt positifs? Pourquoi les taux d'intérêt doivent-ils être positifs, du moins si on en croit notre intuition? Alors, on va partir à l'arrivée de la chaîne d'événements qui amène à produire et à faire tourner l'économie, et d'étape en étape, on va remonter jusqu'à la conclusion qui est qu'il faut que les intérêts soient positifs. Donc vous le savez, la croissance, la création de richesses, c'est tout simplement une production d'un système économique, une production de biens et de services. Que faut-il pour produire des biens et des services? Eh bien, il faut des installations diverses, de toute nature, de grosses installations, des installations plus légères, des ordinateurs. Tout ça, c'est de la production de biens. Et que faut-il pour produire ces biens? Eh bien, il faut ce qu'on appelle des investissements. C'est-à-dire qu'il faut acheter les équipements qui vont permettre de produire ces biens. Que faut-il pour faire des investissements? Il faut de l'argent. D'où vient l'argent des investissements? Eh bien, l'argent des investissements, il vient et il ne peut venir que de l'épargne. C'est comme ça dans le système capitaliste, c'était aussi comme ça dans le système communiste, même si ce n'était pas le cas directement, mais au final, c'était bien de l'argent qui n'était pas consommé, qui était investi. Alors, que faut-il pour qu'il y ait de l'épargne? L'épargne, c'est l'argent que les agents économiques, les ménages, les entreprises, ne dépensent pas. Eh bien, il faut que cette épargne, lorsqu'elle est injectée dans l'économie, elle soit rémunérée. Il faut donc que les agents économiques qui sont porteurs de trop d'argent par rapport à leurs dépenses, et quand je dis trop d'argent, en général, c'est parce qu'ils ont fait l'effort de ne pas le dépenser, ils ont fait des sacrifices, eh bien, s'ils mettent cet argent dans le circuit économique, ils en tirent une rémunération. Alors, ils en tirent une rémunération, d'une part, parce que quand vous mettez votre argent quelque part, vous n'êtes jamais sûr à 100% de le récupérer, même si là où vous le mettez, ça vous paraît très sûr, même si c'est soi-disant garanti,
clin d'œil vers les livrets A et vers les fonds euros des assurances vie. Même si l'acteur économique à qui vous le confiez est quelqu'un de très honnête qui aura à cœur de vous rembourser, il y a toujours un risque de ne pas être remboursé. Donc à partir de là, si vous prêtez 100 euros, eh bien vous allez vouloir qu'on vous donne un petit peu plus de 100 euros en retour pour compenser le risque. Mais vous ne prêtez pas de l'argent uniquement pour subir un risque que vous allez faire payer à la personne qui vous le prête, à l'entité qui vous le prête. Vous prêtez de l'argent pour avoir un gain. Autrement, ce n'est pas la peine. Donc en plus de cette rémunération que vous allez demander pour le risque que vous courez, vous allez demander une rémunération qui va être votre petite bénéf. Et le cumul de ces deux rémunérations, ça s'appelle un taux d'intérêt. Donc on comprend que s'il n'y a pas de taux d'intérêt, il n'y a pas d'épargne. Et si on fait le chemin dans l'autre sens, eh bien au bout du chemin, il n'y a pas de production, il n'y a pas de création de richesse. Ça s'appelle l'effondrement de l'économie. Avant d'aller plus avant dans l'analyse du phénomène, je vous demande simplement, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, lorsque vous cessez de la visionner, de penser à lever le pouce vers le haut, de façon à permettre une meilleure connaissance de ma chaîne sur YouTube et d'une manière générale sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie par avance. En réalité, quand on réfléchit à la survenance des taux négatifs, on est amené bien sûr à revenir en arrière, à se pencher sur le passé et sur le passé récent. Et le passé récent important pour nous, qui vivons aujourd'hui en 2019, c'est ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire la grande crise de solvabilité qui s'est produite en 2008 et la façon dont elle a été traitée. Je ne suis pas le seul à faire cette analyse, mais il apparaît de plus en plus que le processus qui était mis en marche en 2008 avec la création massive de monnaie rendue nécessaire pour sauver la situation à ce moment-là, et pas seulement pour sauver les banques, comme on l'a dit à juste titre, mais il est assez polémique de dire que ce qui a été fait par la Banque centrale n'avait que pour but de sauver les banques. En fait, il s'agissait de sauver la totalité du système financier, c'est-à-dire de sauver l'économie dans son ensemble. Le processus qui a été mis en marche, donc sous la pression des événements à ce moment-là, eh bien, on n'a pas réussi à en sortir, au contraire, on s'y enfonce de plus en plus, donc on crée de plus en plus de fausses monnaies, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, et eh bien, cette création massive de fausses monnaies s'avère comme une sorte d'armageddon par rapport à l'ensemble de l'économie. On est en train de détruire l'économie. Et l'apparition des taux négatifs s'inscrit dans un processus dont il est la phase ultime, c'est la phase de la destruction finale. Donc cette phase de destruction finale, d'accélération de la destruction, je la décompose en ce qui me concerne en 5 sous-phases, donc on va dire en 5 phases. La première phase, c'est l'apparition des taux d'intérêt négatifs. Ces taux d'intérêt négatifs amènent avec eux immédiatement la corrosion de l'épargne, le laminage de l'épargne, et donc tout aussi immédiatement un processus d'appauvrissement des épargnants. Alors dans un premier temps, les épargnants ne s'en rendent pas compte. D'une part parce que ils ne font pas un lien direct entre le fait que certains taux d'intérêt sur les marchés ou qui sortent de la banque centrale soient négatifs et ce qui va se passer au niveau de leur épargne. En effet, au niveau de leur épargne, on n'entre pas immédiatement en territoire négatif, on n'est pas immédiatement avec des taux négatifs parce qu'il y a des mécanismes de transmission entre la banque centrale, les acteurs de la gestion de l'épargne, notamment des banques, et puis l'argent des particuliers. Mais le fait que les choses ne soient pas immédiates n'empêche pas que les choses sont en train de se faire. Dans la vidéo que j'ai consacrée à la chute des fonds euros, et aux conséquences sur leur commercialisation, la cessation de leur commercialisation par les compagnies d'assurance, vidéo que j'ai faite il y a une petite semaine, eh bien, on voit, en ce qui concerne l'assurance vie, l'application de ce phénomène d'érosion, de destruction des taux d'intérêt servis aux épargnants. Dans la phase suivante, donc dans la phase 2,
Les épargnants prennent conscience de ce qui se passe, ou commencent à prendre conscience, c'est-à-dire qu'une quantité de plus en plus importante d'épargnants commence à se rendre compte que, même si elle n'a pas encore des taux d'intérêt négatifs nominaux dans le placement de son épargne, elle se rend compte que les taux négatifs réels, que les taux réels, pardon, sont devenus négatifs. Alors les taux réels, c'est le taux nominal, c'est-à-dire le taux de rémunération annoncé par l'organisme auquel vous avez confié votre argent et qui le gère. C'est donc le taux nominal moins l'inflation. Bon, l'inflation annoncée depuis plusieurs années tourne autour de 2% par an. Probablement, l'inflation réelle est un peu plus importante que ce qui est annoncé. Avec des taux nominaux qui sont inférieurs à 2%, on a un rendement réel négatif. Le problème pour la plupart des épargnants, c'est que beaucoup ne pensent pas à faire cette petite soustraction, et donc ils sont persuadés que leur épargne rapporte, alors que déjà, depuis quelques années, non seulement elle ne leur rapporte plus rien, mais elle leur coûte. Les épargnants prennent conscience que leur épargne est affligée d'un taux de rendement négatif, qu'il s'agisse d'un rendement réel, comme c'est le cas aujourd'hui, ou qu'il s'agisse d'un taux négatif, comme ça va le devenir, comme c'est déjà d'ailleurs sur certains placements dans certains pays, me semble-t-il en Suisse. Il me semble que les dépôts bancaires sont rémunérés avec des guillemets, si on peut appeler ça rémunérés par des taux négatifs, et bien dès que les particuliers se rendent compte de cela, ou les entreprises qui placent leur argent à court terme, elles vont cesser de placer l'argent dans le système d'épargne et se tourner progressivement vers d'autres systèmes. Autrement dit, ils vont chercher à placer leur argent en obéissant à d'autres considérations qui sont des considérations de sécurité et au minimum que leur argent ne perde pas. C'est-à-dire l'une de ces valeurs refuges est évidemment l'or. Là aussi, j'ai sorti ces temps-ci depuis 2 mois, je crois 5 ou 6 vidéos sur le sujet, 5 vidéos plus une sur l'argent. Il faut savoir qu'il y a d'autres valeurs refuges que ces métaux. J'entrerai très prochainement, peut-être dans la prochaine vidéo, ce qui me permettra de traiter en même temps d'ailleurs les demandes qui m'ont été faites concernant quelles sont les alternatives pour placer l'argent si on le sort des fonds euros. En quantité de plus en plus importante qui vont sortir du circuit normal de l'investissement, parce qu'elles sortent du circuit de l'épargne, vont tarir l'investissement et il n'y aura plus assez d'argent, de moyens financiers pour investir, autrement dit pour répondre aux besoins d'investissement des entreprises. Étant, et c'est comme ça, je l'ai signalé pour le délai qui est entre l'apparition des taux négatifs au niveau des marchés, des banques centrales et l'apparition des mêmes taux négatifs sur l'épargne des agents économiques, eh bien dans un premier temps, la diminution de l'investissement ne va pas entraîner des effets immédiats qui vont, enfin les effets vont être immédiats, mais leurs conséquences ne seront pas senties immédiatement par le public. Il va falloir que le processus s'aggrave encore un petit peu, c'est-à-dire que un peu de temps passe pour qu'on arrive à une situation dans laquelle non seulement il n'y a plus suffisamment d'argent, enfin non seulement il n'y a plus suffisamment d'argent pour investir autant que le voudraient les entreprises, mais il n'y a même plus suffisamment d'argent pour permettre de maintenir l'outil industriel, l'outil économique à niveau, autrement dit pour renouveler simplement l'usure des moyens de production. Donc à partir de là, la situation devient véritablement grave et visible pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on entre en récession économique. L'outil économique n'est plus en capacité de produire suffisamment pour faire face à la demande. Cette récession économique va entraîner de manière mécanique une augmentation du chômage, une augmentation des déficits et donc une augmentation des dettes. À partir de là commence la phase 5, dont on ne peut pas prédire les modalités, mais ce qu'on peut dire c'est que en fonction de ce que seront les réactions de politique monétaire, les réactions éventuellement de politique budgétaire, de manière générale, les réactions de politique économique des responsables, c'est-à-dire aussi bien des gouvernements que des banques centrales, là on entre, on est au seuil de divers scénarios possibles d'effondrement économique.
Bon, les plus évidents sont le risque d'hyperinflation, qui peut d'ailleurs se muer assez rapidement en déflation, et bien sûr en insolvabilité, j'arriverai à le dire, généralisée de tous les agents économiques, puisque à même temps que cela se produit, on se trouve bien sûr dans une situation de crise de la dette aiguë. Donc il faut quand même finir sur une note positive. À la fin de cette phase numéro 5, eh bien, on peut considérer que la purge est terminée, c'est-à-dire que l'effondrement dont nous menaçaient les déséquilibres sur lesquels nous fonctionnons et qui s'aggravent depuis 2008 est survenu, et il n'y a plus qu'à rebâtir un nouveau système exempt de ces déséquilibres, avec une nouvelle monnaie, dans laquelle l'or jouera probablement un rôle, mais enfin je ne vais pas faire d'économie fiction. Ce qui est clair, c'est que au terme de la phase 5, on est à la fin du processus qui s'est déclenché en 2008. Alors ce qu'il en ressortira de manière concrète, je n'en ai pas la moindre idée. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la phase 4, les populations vont beaucoup souffrir et que cela peut être le début de mouvements populaires, de changements politiques, enfin de troubles divers, peut-être pas. Donc là, on entre dans un champ de possibilités qu'il est impossible de maîtriser. La seule certitude, c'est celle que je viens de formuler dans la phrase précédente, on serait à la fin, enfin ce processus nous mènera à la fin de ce qui a été enclenché en 2008, et il faudra donc tout recommencer, de la même manière qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a tout recommencé, on a rebâti un nouveau système, et notamment un nouveau système monétaire, comme fondement de toute la suite. Alors, vous l'avez compris, nous sommes actuellement dans la phase 2, donc la phase 2, eh bien, c'est celle où les effets dévastateurs des taux d'intérêt négatifs se font sentir sur l'épargne des agents économiques, donc sur l'épargne des entreprises, sur l'épargne des particuliers. Je pense que la plupart de vous qui me suivez êtes des particuliers. Et c'est à partir de là que chacun doit être responsable de son propre avenir et décider de prendre les mesures conservatoires, les mesures salvatrices. Ces mesures salvatrices, c'est clairement sortir du système d'épargne tel que vous le connaissez depuis toujours, autrement dit des circuits financiers classiques, pour vous tourner vers des valeurs refuge. Alors je vous ai parlé de l'or, de l'argent, bon, il y en a d'autres, même si le but de cette vidéo n'est pas d'expliciter le fonctionnement de ces valeurs refuge de façon à vous mettre en capacité de faire votre chemin parmi elles. Je vous l'ai dit, ça fera l'objet d'une autre vidéo. On peut quand même citer ce qu'elles sont. En gros, ce sont tous les biens tangibles, donc tous les biens qui sont non virtuels. Donc on élimine tout ce qui est contrat, donc tout ce qui est obligation, et puis tout ce qui dérive des obligations, donc tels que les fonds euros des assurances vie. Et on se concentre sur le tangible. Le tangible, mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est la détention directe d'actions de certaines sociétés, donc de sociétés solides. C'est aussi, bien sûr, l'immobilier. C'est aussi le foncier, c'est-à-dire les forêts, les terres agricoles. Bon, on peut imaginer d'autres choses, mais c'est principalement parmi ces classes d'actifs que l'on va pouvoir prendre des positions qui nous mettront à l'abri des conséquences, ou tout du moins qui nous permettront de subir moins fort les conséquences de ce qui va se passer mécaniquement, du moins si je me fie à mon analyse, dans les années qui viennent. Et à partir de là, on sera en capacité de rebondir pour recommencer à investir dans de bonnes conditions. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce sujet. La vidéo est donc terminée. Si elle vous a intéressé, pensez à la partager avec vos amis, parce que si c'est important pour vous, ben ça l'est forcément pour eux. Pensez à lever le pouce. Bon, ça je crois que le lever de pouce, vous avez compris que c'est un de mes leitmotivs en matière de vidéos.
Pour ne pas manquer les vidéos suivantes, eh bien c'est simple, il suffit de vous abonner. Pour ça, vous avez je me rappelle plus, il faut que je mette mon doigt pour que vous le voyez sur l'écran. C'est pas grave, vous avez en bas à droite de la vidéo mon icône vert et bleu. Si vous passez la souris sur l'icône, il a sa place à la petite zone avec la cloche pour cliquer et s'abonner. Vous pouvez aussi vous abonner à partir du lien d'abonnement que je fais apparaître sous la vidéo. Et sous la vidéo, vous trouverez également d'autres liens qui ont leur intérêt, en particulier le lien pour vous abonner à ma newsletter dans laquelle vous l'avais dit, un développement un peu plus poussé sur ce sujet. Et puis, vous recevrez régulièrement, quand je sors de nouvelles lettres, eh bien, vous les recevrez automatiquement. Vous avez aussi accès, toujours sur cette vidéo qui décidément est une caverne d'Alibaba pour les investisseurs et les épargnants, vous avez accès à deux PDF que j'ai mis à disposition gratuite. Vous pouvez également accéder à des ouvrages que j'ai publiés. Donc vous avez donc de quoi passer un week-end très riche à partir de ce qu'il y a sous cette vidéo. Je vous en souhaite bien sûr le meilleur profit. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.